Hey, ravi de vous voir. Je ne perds pas de temps pour vous livrer quelques infos sur la politique de Gros Maillet. Vous allez voir que même s'il y a beaucoup à faire dans le Berry... Non, il n'y a rien à faire. Oh, il y a beaucoup à découvrir. Un petit reportage quand même. La politique de courant d'air insufflée par le sénateur-maire Gros Maillet, visant à aérer les cerveaux de nos jeunes citoyens berrichons, va bon train. Au lieu d'être dans des salles de classe, les enfants étudieront désormais dehors, à l'air libre, puisque les structures des Capucins et Françoise Katz seront bientôt démolies pour laisser place à un grand parking qui, nous l'espérons tous, sera celui d'une grande enseigne. Non à l'enseignement, oui aux grandes enseignes. Vive la politique aérodynamique du Gros Maillet. Moi, je suis comme un Spider-Man à l'ancienne, vous voyez, avec une espèce de toile d'araignée en bois, comme celle qu'il y a derrière moi. J'ai enseigné, moi aussi, mais je préférais franchement vendre des Mercedes. Et vous savez ce qui me rassure, là, honnêtement? C'est Jean-Pierre Papin qui va venir pour la Berrichonne. Je pense qu'il va falloir arrêter d'embêter le sénateur avec des questions qui tournent toujours autour de la polémique avec les histoires qui l'embarrassent parce qu'il a autre chose à faire que de s'embarrasser avec les histoires des Capucins, là, de je sais pas pourquoi quoi, faire la politique, là, alors Gros Maillet. Il s'en fout, le sénateur. Il en a rien à foutre. On a tous voté pour lui et on est surpris. On n'est pas content. Je regrette d'avoir voté pour Maillet. Maillet. Vive Maillet, vive Maillet, vive Maillet, vive... Et quand il arrive au pouvoir, il fait n'importe quoi. Mais ne désespérez pas, les amis, et votez pour moi. Votez pour Pandora. Car lui ou elle, à mon avis, ce sera toujours mieux que Gros Maillet. Yeah. Ah, 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 salut, les amis. Ah, 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 ah.